Play it, Mr. Toot. En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois avaient été vaincus par les Romains après une longue lutte. Des chefs, tels que Vercingétorix, doivent déposer leurs armes aux pieds de César. Toute la Gaule est occupée. Toute, non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés romains. C'est dans ce village que nous allons faire connaissance avec le guerrier Astérix. Tiens, le voilà justement qui part pour la chasse, son sport favori. Tu reviens bientôt, Astérix, hein ? Je serai de retour pour le déjeuner. Astérix est sans doute aujourd'hui le Gaulois le plus célèbre. Plus célèbre que Vercingétorix lui-même. Gaulois, il appartient à la grande nation des Celtes, auquel notre culture doit tant de choses. Mais les Celtes, qui sont-ils ? Eh bien, ce sont les ancêtres de la plupart des Européens. On les confond souvent avec les Gaulois. C'est faux. Les Gaulois ne sont qu'une partie du peuple celte, qui compte également des Belges, des Bretons, des Celtibères, des Galates. Ces peuples ont constitué le fond ethnique de nombreux pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne. Enfin, il serait plus facile de dire quel pays d'Europe n'a pas été autrefois peuplé par les Celtes. Beaucoup de régions aujourd'hui ont d'ailleurs conservé une culture celte très vivante et très présente, comme par exemple en Irlande ou en Bretagne. Peuple très batailleur, maîtrisant le fer et en général le travail des métaux, les Celtes se répandent dans l'ouest de l'Europe vers 1300 avant Jésus-Christ. Ils vivent en clans, on dit des tribus. Rien que pour la Gaule, il y en avait plus d'une centaine. Par exemple, les Parisis, qui étaient venus s'installer sur une île de la Seine, dans leur cité, Lutèce deviendra Paris. Les tribus celtes adorent se faire la guerre, entre elles pour commencer, contre les Germains ou les Romains ensuite. Il faut dire que les personnages importants au sein d'une tribu, ce sont les guerriers, lesquels savent se battre avec des épées de fer, des casques que copieront les Romains. Ils montent à cheval et forment d'ailleurs une immense cavalerie courageuse et capable d'attaques foudroyantes. Chaque clan se choisit parmi ses meilleurs guerriers un roi, appelé Rix, qu'on suit durant la bataille mais auquel on n'obéit plus en temps de paix. Les guerriers celtes savent être effrayants, accrochant aux portes de leurs maisons les têtes décapitées de leurs ennemis, ou bien les arborant à la selle de leur monture.
Les Celtes sont courageux mais indisciplinés. Chaque famille, chaque clan, chaque confédération n'en fait pratiquement qu'à sa tête. Et devant un ennemi implacable et organisé comme les Romains, cette indiscipline leur sera fatale. En attendant, ils se construisent partout où ils sont présents des places fortes ou oppidum, autour desquelles prospèrent des cités qui ne sont pas sans rappeler les cités romaines. Car les Celtes savent bâtir eux aussi des routes, des murailles, des villas. Ils sont très créatifs. Quantité de biens actuels ont été inventés par les Celtes, comme les salaisons, le savon, le tonneau pour y conserver la cervoise, une boisson des Celtes brassée avec du blé et des herbes, mais sans houblon, un breuvage qui ressemble à notre bière. Les Celtes de Gaulle auraient même créé la première machine à moissonner le blé. Hélas, la société celte est très figée. Des guerriers dominent des paysans qui n'ont aucun droit, sans même parler des femmes et, plus insignifiant encore, les esclaves. Toutefois, tout en haut, au-dessus des guerriers, plus intouchables encore, se trouvent les druides. Ceux-ci sont à la fois des prêtres, des savants, des médecins, des juges, des mages, des devins. Et comme les Celtes sont très superstitieux, ils se gardent bien de contrarier les druides, interprètes de la volonté des dieux. Les dieux celtes sont très nombreux et représentent les principales forces de la nature. Le plus important était Lugh, inventeur de tous les arts. Mais il y avait aussi Taranis, le dieu des orages, ou le terrible Sukellos, dieu des récoltes et des troupeaux, mais aussi dieu de la vie et de la mort, dieu infernal qui régnait sur les forêts impénétrables et sur les créatures effrayantes qui les peuplaient. Pire, les sacrifices humains ne sont pas banals, mais périodiques. En cas de catastrophe ou de troubles sociaux, les Celtes brûlent des hommes et des adolescents dans des mannequins en osier. On a retrouvé, horreur suprême, à Assiromans dans les Ardennes françaises, des ossements de jeunes gens qui avaient été enterrés vivants, repliés sur eux-mêmes. Naturellement, les Celtes n'étaient pas que cela. Ils étaient de remarquables artisans et leur village avait tous leurs forgerons, habiles dans le travail du fer. Comme par exemple, on peut le voir à Rieux-Volvestre en Gascogne, où un village celte a été reconstitué tel qu'il devait être il y a 25 siècles. Au dernier moment, je libère une des cordelettes et le projectile atteint l'ennemi. Attaquer à l'aide d'une fronde ou frapper la monnaie, le village gaulois retrace la vie quotidienne des habitants de l'époque. On découvre les maisons faites de terre et de chaume qui abritaient les familles et les ateliers d'artisans. Forge, orfèvrerie, travail du cuir, poterie, les démonstrations sont nombreuses. Une reconstitution fidèle de nos ancêtres au deuxième âge du fer, entre 450 et 52 avant Jésus-Christ. Vestiges de cette période, des amphores et des poteries retrouvées dans la région toulousaine. Le village gaulois a une vocation scientifique en s'appuyant sur la recherche archéologique. Il attire chaque année près de 40 000 visiteurs. Il ne faut pas imaginer les Celtes comme des barbares crasseux et misérables. Ils pratiquaient le commerce. Beaucoup de nobles Celtes étaient riches et on a d'ailleurs retrouvé quantité de monnaie gauloise. Un autre exemple. En 1953, à Vix, en Bourgogne, était découverte la tombe somptueuse et intacte d'une reine Celte. Ce qu'on y a trouvé démontre, si besoin était, que ces peuples était loin d'être des sauvages. Le trésor de Vix et son vase, pièce maîtresse du musée de Châtillon. Un cratère de bronze magistral de 1100 litres et plus de 200 kilos. Des vestiges du 6e siècle avant Jésus-Christ découverts dans un champ en 1953 par un agriculteur intrigué par des restes de poterie.
En plus du vase, c'est le plus grand trésor celte de l'âge du fer qui est mis au jour, car le tumulus abrite une exceptionnelle tombe féminine. Cette femme, qu'on nomme la princesse de Vix, était allongée sur un char d'apparat couverte d'une parure absolument exceptionnelle, dont un collier en or qui est parmi les plus beaux de cette période. Mais Vix suscite encore des espoirs. Jusqu'ici, seule la tombe principale a été fouillée dans un monument funéraire de plus de 40 mètres de diamètre. Aujourd'hui, une nouvelle campagne commence pour répondre aux interrogations des archéologues. Les Celtes ont perdu leur guerre contre les Romains, lesquels ont ensuite raconté leur histoire. Mais l'histoire n'est jamais tendre pour les vaincus. Toutefois, les Celtes ont terrifié l'Europe qu'ils ont dominée pendant des siècles. Mais une fois vaincus, les Celtes vont se fondre dans la civilisation romaine, à l'exception de quelques régions comme l'Irlande ou la Bretagne. Au cours de leur histoire, les Romains n'ont eu de cesse de s'emparer des terres des Celtes et de détruire leur civilisation. Ils y sont arrivés. Il faut dire que les tribus chevelues avaient infligé aux Romains, il y a plusieurs reprises, de terribles défaites. Ainsi, en 390 avant Jésus-Christ, des Gaulois avaient déferlé sur l'Italie et s'étaient emparés de Rome. Quelques Romains s'étaient réfugiés sur le Capitole et ce furent des oies sacrées qui empêchèrent, en donnant l'alerte, un assaut final. Ce jour-là, les Romains n'étaient pas passés loin d'un anéantissement total, et ils en gardèrent envers les Celtes une rancune tenace. Malheur à ceux que les Romains ensuite allaient trouver sur leur chemin. Play it, Mr. Toots.